C'est vrai que c'est bien, c'est très très bien, mais avec les conditions d'aujourd'hui, l'important c'était de ne pas casser le bateau et que l'équipage soit lui aussi en bon état, parce que avec ce genre d'engin, on peut vite être en vrac. Donc on est content de finir et puis en plus on gagne. Donc parfait, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus de bagarre avec un mode 70 ou 2, mais bon, tant pis pour eux, ils ont loupé une très très belle édition. Pieds, c'est plus rapide que 50 pieds, hein, donc notre camarade Alain Gauthier est devant nous. Mais sinon on a vraiment fait une super navigation, on a bien navigué, on a été vite, on a bien attaqué, mais on n'a pas pris de risque, donc on est vraiment content. Là on a un équipage bien rodé, ça tourne bien, chaque manœuvre on l'avait bien anticipé, on connaît bien le bateau, donc on connaît bien les configurations, donc chaque fois on était dans des configs à la fois rapides et raisonnables. Il faut être extrêmement concentré, extrêmement vigilant. Et je suis très heureux de faire plaisir à ces gens-là. Et je pense que ceux qui ont vu le spectacle aussi de quand on a transpercé la flotte dans le chenal, eux aussi s'en souviendront. Moi, j'adore cet événement. Ouais. C'est vraiment top. Et encore une fois, cette année, tout le monde est parti. Je ne sais pas si on voyait la ligne de départ en entier du début à la fin, parce que la visite n'était pas terrible. Mais en tout cas, ça fait des belles images. Et puis des bons moments partagés. Et puis je suis convaincu que même ceux qui sont encore en train de souffrir à tirer les bords, ben ça fera des super beaux souvenirs pour eux. Quoi. Première victoire, et je dirais première victoire de tout l'équipage, j'imagine, parce qu'on était nombreux à bord. Et voilà, on partait pour découvrir le bateau. Dans des conditions musclées, et voilà, on a fait ça calmement avec un départ très 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 piano, et puis on a pris la mesure du bateau au fur et à mesure de cette régate qui était sous de très belles conditions, donc c'était un super moment. Ça a été notre première navigation aussi ventée, donc on a pu voir plein de choses, on a pu faire des bonnes pointes de vitesse et on a surtout encore une fois pris du plaisir. C'était une régate très sympa et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir réunir autant de bateaux sur une ligne de départ. Et je souhaite que l'année prochaine, il y en ait encore plus.